Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est parti pour le mode carrière. Cette fois-ci c'est le bon. Donc mon personnage a été créé. Donc importer un combattant. Normalement ça doit être bon. On va prendre le nôtre. On va prendre Body Pavel. Donc je vais prendre plutôt le mode facile hein, parce que vu que pour l'instant on va voir ce que ça va donner. Après j'essaierai de monter la difficulté si je vois que c'est trop facile. Mais en tout cas je vais voir ce que ça va donner le mode carrière. Ce qui va être bien ou pas bien. Ce qui va être facile ou assez difficile. Donc ça seul le temps nous le dira. Donc pour le moment je ne sais pas. Je peux pas vous garantir quelque chose d'assez sympa si je ne l'ai pas encore testé. Donc je pense que là il y a de quoi faire. Hein. Fighting is the most honest thing you can do. It's real. I always love competition. Just turned out to be the most pure form of competition I've ever found. I'm always trying to be the better guy at whatever we're going to compete at. It brings out a lot of truth in who you really are. Are you coachable? Are you humble? Are you a team player? Do you have the discipline to fulfill your potential? And as I become better as a person and as a fighter, it reflects on how dominant I'm performing. You train your mind to be strong. Your body follows. When I fight, my mind just takes over and I just feel like I just go to this other place where I just feel like I can do anything. There's a lot to gain, there's also a lot to lose. Your will has got to be there. It's got to be a fire inside you that keeps going, and nobody can put it out. Yeah, I think that's what it takes to be a champion. You got to be in that place in your head where you can't be stopped. Donc c'est parti, c'est à nous de rentrer maintenant en scène. Du moins j'espère qu'ils vont pas encore me faire leur entraînement. In MMA, all fights start standing up. When you first engage your opponent, you are in a striking range. If you have not mastered this range, you will be in trouble from the immediate opening of that bell. If you understand all the angles, how to get in with your shots and not get hit back, then you're going to be in control. So it's very important that you know what to do when you're faced off with your opponent standing up. C'est parti, c'est à nous de jouer maintenant. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Ok, alors... Clac, ça c'est bon. Ah, je me suis loupé comme un idiot. Donc là, c'est un petit entraînement assez basique hein, pour le moment. C'est un peu chiant de répéter toutes ces prises, mais bon. Au moins, comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu le mode carrière. L'UFC, comment ça se passe. Dans un premier temps, dans les coulisses. Hein. Parfait. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc là il me reste un dernier tacle et c'est bon. T'as vraiment laminé ce sac lourd. Quand tu envoies, je veux que tu forces en profondeur. Continuer. Donc je sais pas combien de il y aura de trucs là. De la maîtrise. Calcule ta distance, évalue ta portée et frappe de toutes tes forces. Ok, je frappe de toutes mes forces, y'a pas de problème. C'est comme frapper un tas de viande avec une batte de baseball. Parfait. C'est bon, rond. Rond.
Après, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise sur le vrai terrain, parce que je vous assure, le jeu, c'est pas forcément évident d'apprendre tous les mouvements que votre corps, après, si vous avez l'habitude de pratiquer pendant des années, bah, ça devient automatique en fait. C'est des fois, en fait, vous attendez pas, le coup il part tout seul. Je dis pas que je suis quelqu'un à chercher la bagarre, mais des fois on a des réflexes qui viennent en fait à force de s'entraîner. On travaille en fait avec le cerveau en fait pour qu'il mémorise à chaque fois le geste, la mémoire sélectif. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il mémorise le geste des milliers de fois, et après en fait, ça devient un réflexe naturel en fait dans le corps. Donc c'est ça en fait les sports de combat. Voilà, je poursuis. Tu dois faire preuve de vigilance. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse là? Rentre le menton et protège-toi. J'aime ce que tu fais, une superbe défense. Ah, faut que je me défonce, pardon. En fait, comme j'expliquais, il faut regarder le corps de l'adversaire. 30 secondes, faut y aller maintenant. Ok, c'est bon, j'ai appris enfin à mémoriser. Hop, hop. De toute façon, il peut m'avoir avec son machin, son high kick, son middle. Plexus solaire, tu l'auras pas, mon pote. Allez, viens me la mettre dans le visage. C'est protégé. Voilà, t'inquiète pas, tu m'auras pas. C'est bloqué. Comme un con, au début, je me suis loupé parce que je pensais qu'il fallait appuyer sur les trucs. Non, c'est bon, c'est fait. Ta défense était vraiment excellente. Il a essayé de te frapper à la tête. Ceinture noire, faut savoir qu'il y a plusieurs types de ceintures. Hein. C'est un peu dans l'ordre du karaté en fait. Hein. Pour ceux qui connaissent, ça va de la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc là, en fait, c'est pareil au niveau du classement. Donc désolé un petit peu les amis pour les chargements, ça c'est un petit peu la contrainte du jeu, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de chargements, mais bon, c'est pas trop grave. Là, il veut que je fasse quoi? Que je le mette KO? Tiens, déguste. Finis-le maintenant, allez, allez, un petit high kick. Et on attaque avec ça. Je sais que j'ai pas trop de jus, mais c'est pas grave. Ah ouais, putain, j'avoue, ça joue vraiment énormément dès que t'as pas de jus. Il a rien compris, continue comme ça, allez. Voilà, déguste-le. Ah, ça c'est marrant quand même. Moi je vais me protéger parce que j'ai plus d'énergie. Là je vais m'amuser un peu avec. En fait j'attends le moment où sa garde elle va commencer un petit peu à baisser. Normalement les combattants nous ont généralement en fait hein, à force de pratiquer on va dire un round, les joueurs en fait, les combattants en fait s'épuisent très rapidement. Faut savoir que les automatismes des bras baissent automatiquement si vous n'êtes pas vraiment bien préparé. Donc là vous sentez immédiatement que votre force vous lâche. Et je vous dis pas le calvaire que c'est à un moment donné, hein. C'est que vos bras sont tellement lourds, c'est que le mec en fait a vraiment une opportunité. Parce que c'est très physique, hein. C'est pas si facile que ça. Donc là je sais pas quelle ceinture j'ai obtenu, je pense que j'ai obtenu vraiment un vieux truc tout pourri. Il veut que je fasse quoi là? Bon moi je poursuis personnellement. Donc là il me montre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Frappe tralala, ok. Donc poursuis s'il te plaît, retour, retour. Ah, je pense qu'il y a de quoi faire, hein. On va vraiment morfler hein, dans cet épisode. Hein. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le mode carrière. Peut-être qu'il y a un championnat à la clé. Ou peut-être qu'il y a juste, on va dire, un joueur à entraîner pendant X années pour qu'il puisse, on va dire, limite obtenir des titres et des compétitions. Pour qu'il soit, par exemple, un mec invaincu ou je sais pas. Je sais pas comment ça se passe pour le moment. De toute façon, je suis comme vous. Je suis en train de découvrir exactement la même chose. Sauf que c'est moi qui a l'instrument dans les mains. C'est tout ce que j'ai de plus que vous, en fait. Hein. C'est moi qui pratique. Et c'est vous qui regardez en même temps que moi. There's a saying in combat, the person that controls the clinch controls the fight. Whether your opponent is trying to strike with you or take you down, the clinch is inevitable. If you look at boxing, if you look at Muay Thai, if you look at kickboxing, where clinching is not really the backbone of the sport, it happens naturally, it happens organically. If you're great from the clinch and you can take somebody down, then that's where you've decided to take the fight. If you're great in the clinch and you don't want to be taken down, then that's where you decide to fight. You control everything. The clinch really is one of the most important things that you can do in combat. On y va? Défonce-le. Faut que je fasse quoi là? Le crunch. Ok, crunch vers le haut. Crunch vers le haut.
Faut savoir que c'est le moment le plus délicat en fait, hein, en boxe. Hein. C'est le moment en fait que la plupart des joueurs, comme j'expliquais, que la plupart des joueurs, pourquoi j'étais joueur, des adversaires en fait s'épuisent le plus. Même si vous êtes vraiment bien préparé pendant X années, vous allez tout de suite sentir la différence au corps à corps que c'est là vous perdez un petit peu plus vos moyens. C'est bon, ça c'est obtenu. On passe à autre chose. Sur le tie clinch, une position popularisée par Anderson Silva. Notre but est d'utiliser sa technique propre et sans défaut qu'il utilise contre ses adversaires. Super boulot et bon rythme. Donc là, faut que je me dépêche. Ça me fait rigoler, on fait tout ça. Désolé, hein, des fois les boutons, on s'y perd rapidement avec tout ce qu'il y a à taper. Ah, ça va trop vite. Ça. Non, mais qu'est-ce que tu me fais? Ah non, ok, c'est ça et ça. Ah, mais il blague ou quoi? Ah. Clac. Clac. Alors, ça. Ça. Ah, mais merde, c'est pas vrai, dès que tu te loupes en fait sur une prise, c'est chiant. En fait, tu recommences tout. Ouais, de toute façon je l'aurai pas. Voilà, 8 sur 10, ça va être d'une ceinture différente. Marron, peu importe, je m'en fous un petit peu des ceintures pour le moment. Allez, je poursuis. J'aimerais bien en fait commencer immédiatement les combats, comme ça je me lance directement dans l'arène. Que là, faire un petit peu le didacticiel là, et les tutoriels, c'est pas trop mon... C'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. Donc là, il vient sur moi. Là, ce qui est bien, enfin, c'est que je peux savoir quel est mon joueur, en fait. Désolé un peu pour le bruit des joysticks. Hein. Malheureusement, c'est un jeu de combat, donc il faut bien sûr appuyer comme un acharné un peu sur tous les boutons. Ouais, tiens, déguste aussi. Ouais, bloque-le. Se dégager aussi, il faut savoir c'est qu'on peut un petit peu se dégager. Ah ok, faut que j'esquive son genou, mais attends, je peux pas le mettre KO lui. C'est le mec qui cherche que le KO. Voilà, par contre il est en train de m'endommager tout le truc. Non, tu m'auras pas. Je suis en train de me protéger, hein, vous inquiétez pas. Je suis en bonne garde là. Par contre, dans cette position, on peut pas trop se protéger. Voilà. Contré. C'est bon, c'est contré. En plus, j'ai gardé mon énergie. Ça, c'était bien. Rond. Des fois, ils te font des trucs, tu sais pas vraiment à quoi ça sert. Surtout dans le jeu, je parle. Tous ces trucs-là, là. Surtout qu'en fait, avant de lancer le jeu, il fallait quand même passer par la même étape, en fait. C'est-à-dire que vous avez deux fois la même étape. À reproduire en fait tout le tutoriel. Mais ce qui est bien, c'est que comme vous avez pu voir, vous pouvez aussi personnaliser vous-même votre propre style de combat avec les boutons que vous avez envie. Ground and submission is very important in mixed martial arts. In combat, your primary goal is to break your opponent. Be it a joint lock, be it a ground and pound position where they don't want to fight anymore, then you win. Really, it's about isolating the limb. So I can get my whole body wrapped around your arm. Odds are my entire body is stronger than just your arm alone. If I can get my whole body wrapped around your neck, I'm going to win again. You put enough pain in their brain where they want out. Croyez-moi, c'est que même si vous êtes le meilleur combattant au monde, hein, vous le sentez bien dès qu'il y a un blocage. Hein. Concentre sur les takedowns. Combien tu penses en rentrer dans le temps donné? Voilà. Ouais, donc je disais, même si vous êtes le meilleur combattant, vous allez tout de suite le sentir en fait que...
c'est pas du tout évident de se faire bloquer, on va dire, par un jijou ou un truc comme ça, en fait. Hein. C'est impressionnant comment vous avez mal, de toute façon, parce que faut savoir que les articulations, vous ne pouvez rien faire. On peut pas muscler les articulations, pas plus que ça, malheureusement. Ah, par contre, c'est le truc que je déteste le plus. Là, faut que je fasse quoi, là? Donc là, il va m'attraper. Attends, je crois savoir comment faire. Ah, c'est pas du tout évident, croyez-moi. Cette défense de soumission était parfaite. La situation était tendue, mais t'as géré sans problème. On peut le faire. Voilà, là, faut que je fasse quoi, là? Ok. C'est pas évident. Hein. Continue. J'ai un peu souffert aujourd'hui, mais tout va bien. On va retourner travailler au gymnase. Oh, ceinture blanche, oh le salopard. La pire des ceintures. Celle du plus grand débutant, il m'a mis. Ah, il est pas sympa. Hein. Ah, le petit malin quand même. Je le retiens. Allez, je poursuis. C'est quoi maintenant? Ah d'accord, tu vas de la jouer comme ça. Super ça, change rien. Continue exactement comme ça. Eh merde, ça va finir au sol, le truc que je déteste le plus. Attendez, je vais essayer de le feinter. Voilà, comme ça, il va pas m'embêter. Allez, utilise tes points. Il a rien compris. Tiens, t'inquiète pas. Faut savoir que les coups de pied haut, ça vous fatigue énormément. Allez, on va attaquer un pont d'anglaise. Ok, c'est bon, ça va. En fait, je suis en train d'analyser un peu les coups. Tiens, dans ta gueule, déguste. Il voulait plonger sur moi, il l'a pas eu. Allez, même il me percute. C'est vrai. Oh, le bon genou dans la gueule. Ah, je lui ai bien fait déguster, même si je sais que je suis en pleine fatigue, mais il m'aura pas. Relève-toi, parce qu'il va te mettre par terre. Et voilà, et là, on va s'occuper de son cas. Tiens. Ah, le mec, il se fait plaisir, en fait, hein, à me faire tout ça, toutes ces petites mises. Allez, je me sors de sa garde. C'est bon. Je fais quand même attention de pas trop me faire avoir. Et qu'est-ce qu'ils vont me proposer encore dans pas longtemps? Hey kid, congratulations, you've been chosen to fight in the elimination fights on The Ultimate Fighter. I look forward to seeing you in action. The Ultimate Fighter is the toughest tournament in all of sports. You've got to be a well-rounded mixed martial artist. You gotta have the mental, physical, and emotional toughness to get through this competition, get into the UFC, and hopefully someday be a world champion. Come on in, guys. Tomorrow are the elimination fights. You know how hard it was for you to get here. Give it everything you've got. Leave everything inside that octagon. You do not want to be the guy riding home on the bus tomorrow. Good luck, gentlemen. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis.
amis, prenez soin de vous et à très bientôt.